en cliquant ici. Et donc, vous remplissez le formulaire qui vous demande donc le pseudonyme, votre mot de passe, votre adresse email et votre adresse de paiement par Paysa ou PayPal. Et vous avez également TrustWave et NetTeller de disponible pour retirer votre argent. C'est magnifique. Donc, ce NeoBucks, c'est très simple en fait. Hein, je vous explique. Vous avez une liste de publicités chaque jour, ici, en violet, vert et orange. Donc, vous devez cliquer sur ces publicités pour récolter votre récompense. Moi, ça fait quelques mois que je suis, même un petit moment maintenant que je commence à être sur NeoBucks. À savoir qu'il est en ligne depuis l'année 2008, oui. En ligne depuis l'année 2008. Et donc, voilà, NeoBucks, c'est chaque jour 10 000 inscrits, 100 000 $ de paiement en général toutes les 24 heures. Enfin, c'est quand même une grosse usine Afrique, il faut le dire. Ça brasse beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Ici, comme vous pouvez le voir, c'est la connexion. Donc, j'insère mon pseudo, également mon mot de passe grâce au clavier visuel juste à côté, que je vais cacher d'ailleurs pour éviter que vous venez me voler mon compte. NeoBucks propose, en plus de ce système sécuritaire qui ressemble à celui des banques, je parle du clavier visuel, propose en plus un second mot de passe. C'est une excellente alternative, à savoir que un mot de passe protège bien votre compte si c'est un bon mot de passe, mais deux bons mots de passe protègent encore mieux votre compte. Et donc oui, on évite beaucoup de mauvaises surprises. À savoir qu'il en existe de plus en plus sur Internet. Donc ouais. Voilà. Là, on arrive à la connexion. Ça signifie que quelqu'un s'est connecté. Une tentative échouée. Et en fait, c'était moi juste avant. Hop là, voilà. Donc là, vous pouvez voir que j'ai regardé toutes mes publicités aujourd'hui. Il m'en reste juste une petite verte. Le petit bruit que vous venez d'entendre, ça s'appelle Ad Alert. C'est un plugin que vous pouvez rajouter sur votre navigateur qui vous indique lorsqu'une nouvelle publicité arrive. Également, si un microjobs est disponible. Donc, en gros, c'est un moyen, quand vous êtes connecté, de savoir en direct et en temps réel, sans être sur le site, l'activité du site et qu'est-ce que vous pouvez y faire. Donc, là, vous pouvez voir que j'ai actuellement 17 $ et 12 $ sur mon compte de location. Je dispose actuellement de 431 filleuls loués. Et les filleuls loués, c'est quoi? Les filleuls loués, en fait, c'est comme un système de petits travailleurs. Il faut voir ça comme un jeu, en fait. Il faut se dire que voilà, à partir du moment où vous commencez à louer des filleuls, ça veut dire que vous investissez, en fait. Et donc, à partir du moment où vous investissez, faut voir ça un peu comme un jeu. Là, vous pouvez voir, par exemple, alors j'enlève le filtre de visualisation. Hop, montrer 11 filleuls. Moi, je veux voir tous mes filleuls. Là, il m'en montre que 11 sur 431. C'est parmi les plus mauvais. Vous pouvez le voir d'ailleurs, ils sont en rouge. C'est une façon ici de gérer vos statistiques pour voir si vous êtes en bénéfice ou non. Voilà. Donc là, on a mes 5 pages de filleuls. Donc 431 filleuls. Les filleuls en blanc sont les filleuls qui n'ont pas encore assez de valeur, j'ai envie de dire, pour nous donner des statistiques précises, donc le rouge, le vert ou le jaune, qui va classifier ma rentabilité pour chaque filleul. Voilà, il faut savoir qu'il faut être patient pour avoir une rentabilité. Au niveau de la location des filleuls, il faut que vous louiez tout le temps vos filleuls pour une durée de 240 jours, c'est mieux. En fait, plus c'est long et plus c'est bon, on va dire, en quelque sorte. Plus c'est long et plus ça va être. Vous allez prendre moins de risques. Moins de risques parce que le prix est dégressif avec la durée. Donc, par exemple, renouveler vos filleuls à 30 jours, il faudrait que vos filleuls aient un AVG environ on va dire, de leur contrat. On va dire que ce sont mes petits ouvriers. Ce sont des personnes réelles. Hein. Les filleuls sont des personnes réelles, à titre d'information. Voilà, donc là vous pouvez voir quand on prolonge les locations pour 240 jours, on bénéficie de 30% de réduction. 30% de réduction, c'est pas du tout négligeable hein, quand on sait que les hommes mentent mais pas les chiffres. Enfin bref.
Vous avez également les filleuls directs. Les filleuls directs, c'est un bon moyen de gagner réellement de l'argent parce que vous n'avez pas besoin d'investir en fait. Si vous n'êtes pas là pour investir, donc si vous êtes à la base parti sur Neobucks pour gagner réellement de l'argent, c'est un bon moyen de compléter vos profits. Comme vous pouvez le voir là, je dispose actuellement de 3 filleuls directs que j'ai réussi à recruter depuis certains depuis 140 jours, 180 jours quand même. Voilà, là vous pouvez voir mon meilleur filleul, c'est celui-ci qui apparaît. Voilà, là ça a le petit logo qui signifie que je peux vendre mon filleul. Donc en fait, quand le filleul atteint une certaine moyenne, un certain montant de clics et une certaine date d'inscription, vous pouvez le vendre, le revendre à Neobucks pour que eux le relouent derrière. Donc personnellement, je préfère les garder. Je trouve que c'est une meilleure alternative. Enfin, après chacun son choix, c'est une question de stratégie encore que je pourrais aborder un peu plus tard sur mon blog. Sinon voilà, donc se constituer un petit revenu et voilà. Là je vous montre les petits boulots par exemple. Les petits boulots, pareil, il faut un petit peu de temps, mais tout se fait. Hein. C'est pas. Voilà, y a rien de méchant, c'est facile. Vous réalisez leurs offres et puis voilà quoi, c'est facile, ça va vite. D'autant plus avec vos filleuls, parce que vous touchez des commissions sur chacun de vos filleuls, sur chaque clic, sur chaque offre que le filleul remplit, sur chaque dépôt qu'il effectue. Donc vous pouvez constituer un revenu, même un minime, avec, comment dire, avec un compte minime standard et on va dire 5 filleuls, vous pouvez réussir à vous faire un petit revenu chaque mois pour, voilà, pour vous acheter ce que vous voulez. C'est toujours sympa. Surtout quand c'est la crise en ce moment. Je vous en parle même pas. Enfin bref, Neobucks c'est aussi très professionnel, vous pouvez suivre vos statistiques en temps réel, de façon comme je vous le dis très professionnelle. Voilà, c'est le tableau de mes statistiques, facile à gérer. Pareil, une image, ça décrit encore mieux qu'un tas de chiffres qui se superposent. Et là par exemple, pour commencer, vous allez très vite comprendre, vous allez très vite adhérer au système de statistiques. Que vous dire de plus? Écoutez, à l'heure actuelle, j'ai reçu un certain montant de paiement et j'en suis plutôt content. Moi, je suis pas 100%, on peut pas dire 100%, mais je suis, voilà, à 99,9%, je suis satisfait de Neobucks. Je suis très content de mes investissements que j'ai réalisés. L'important dans tout ça, et j'ai envie de vous dire, c'est de commencer par vous inscrire, de commencer, voilà, si vous voulez pas investir, commencez par vous inscrire, réalisez vos premiers clics, commencez à générer vos premiers dollars. Une fois que vous aurez atteint le montant de 2 dollars, soit vous pouvez vous diriger dans l'achat de filleuls locatifs, donc la location, excusez-moi. Donc à partir de 2 dollars, vous pouvez commencer à louer un pack de 3 filleuls, parce que le pack de 3 filleuls est à 0,60 dollars, donc 0,60 centimes de dollars. Juste, il faut savoir qu'à chaque fois que vous louez des filleuls, il faut que vous gardiez 33% du montant pour gérer vos filleuls, c'est-à-dire les recycler s'ils ne cliquent pas assez, et donc changer de filleul, ou alors même prolonger un peu plus vos filleuls pour plus tard et avoir au moins une base solide pour construire son compte. Il faut savoir qu'il faut être patient, il faut avoir beaucoup beaucoup de rigueur et être là au moins 5 minutes par jour. Mais sinon, à part ça, voilà, ça, c'est pas pour les chômeurs forcément. C'est pas que pour les gens qui travaillent forcément. Tout le monde peut faire fructifier ses fonds. Chacun peut y trouver son compte et sa façon de générer un.